Après, il ne faut pas oublier que les médecins se sont beaucoup appuyés aussi sur tout ce qui s'est passé dans l'underground, parce que c'est là où il y a eu le plus d'expérience accumulée. Il y a des médecins qui sont ouverts aussi à tous les praticiens, tous les cliniciens qui ont fonctionné dans l'underground, parce qu'ils ont accumulé beaucoup, beaucoup d'expérience, quoi. Je pense que ce soit dans l'underground occidental ou que ce soit les gens qui sont allés se former à l'étranger et aussi auprès de civilisations premières en Amérique latine, en Amérique centrale, par exemple.